j'ai tout préparé. Maintenant, on va s'occuper de faire le montage directement des cartes, d'accord? Donc, pour commencer, je prends la feuille, donc le papier noir. On va commencer par celle pour les hommes. Et je prends mon papier qui est là. Mon premier papier embossé. Ça, c'est le papier toilette. Le rouleau de papier toilette. Et ça, c'est le papier normal. Donc, ensuite, je prends, comme je vous ai dit, mon encre. Voilà. Ma Distress Oxide Vintage Photo. Voilà. Et je vais ancrer les bords. Alors, celui-là, je le laisse normal. Quoique j'aurais peut-être pu. Ouais. Alors, vous savez quoi? Voilà. Changement de programme. Je vais juste déstructurer un petit peu avant de mettre l'encre. Donc, je prends mon petit outil. Si vous n'avez pas l'outil, vous pouvez le faire aussi avec un stylo, avec un ciseau. Ou une lime à ongles. Voilà. Donc je vais vous montrer. Ce côté-là, je vais le faire avec l'outil. Alors je le fais léger. Hein. Je ne déchire pas entièrement le papier. Voilà. Voilà. Donc là, je le fais avec ça. Ici, je vais le faire avec un ciseau. Est-ce que ça va marcher avec celui-là? Parce que j'ai plus trop de bons ciseaux. J'attends que. Voilà, vous pouvez le faire avec un ciseau aussi, ça déstructure aussi. Voilà. Vous pouvez le faire avec un ciseau. Voilà. Et vous pouvez le faire aussi avec une lime à ongles. Moi j'aime bien aussi avec la lime à ongles. Mieux pas la limiter avec le ciseau. Voilà, ça donne un autre effet. Voilà, donc c'est pour vous montrer que tout est possible. Bon, moi j'ai l'outil, donc je m'en sers. Voilà, je vais pas faire, je veux pas faire beaucoup parce que le papier est, est fin pour ce papier-là. Donc je veux juste le faire un tout petit peu. Voilà, avant d'ancrer. Que je ne veux pas non plus déchirer celui-ci de papier. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment très léger. Et maintenant, je vais le ancrer. Je range ça. Hop. Et donc maintenant, je vais ancrer les bords. Alors celui-là, je vais ancrer juste les bords en faisant comme ça aléatoirement. Et l'autre, vous allez voir que je vais le ancrer un petit peu plus que ça. Hop. Donc ensuite, je vais coller ça. Alors celui-là, je peux le coller de suite. C'est l'autre qui ne pourra pas, je colle de suite. Donc je prends ma colle. Et je colle. Voilà. Donc je prends ma colle. Et je colle bien centré sur ma carte. Voilà, alors je donne un petit coup de chiffon, surtout sur les côtés. C'est pas bon. Voilà, c'est les choses qui arrivent quand on bouge avec le chiffon après. Donc je me recale, d'où l'importance de le faire à la colle. Ça évite les catastrophes. Voilà. 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 Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, je vais prendre mon mur que j'ai fait avec le papier toilette.
Alors, il y a deux possibilités. Soit je découpe, qu'un côté. Je ne sais pas trop encore. Je pense que je vais découper le mur aléatoirement. Donc, je vais voir comment je vais faire. Donc, je prends. Ah, voyez, vous avez des briques qui sont dessinées. Moi, je vais découper quelques petits carrés comme ça. Je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Je pourrais le faire. Je sais pas trop. Voilà, j'y vais au feeling. Là, vous faites pareil. Vous savez, vous avez les briques qui est dessinée. Bon, ben, vous le découpez comme bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de faire nickel. Voilà. Vous pouvez même découper en biais un petit peu. Vous pouvez, hein, parce que les murs ne sont jamais très très droits. C'est ce que je vais faire là pour celui-là, je crois. Voilà, donc moi j'ai fait une petite découpe. Je ne sais pas si je fais les deux côtés. Je pense que oui. Ou alors je laisse comme ça. Non, je vais découper les deux côtés. Donc je vais faire pareil de ce côté. Bon, là c'est après c'est vraiment comme vous voulez, hein. Voilà, donc ça vous fait un petit mur un petit peu coupé comme ça. Voilà, et ça va être pareil, je vais le déstructurer un petit peu. Voilà, histoire que ça soit pas nickel. Parce qu'un mur cassé, il est jamais trop trop nickel, hein. Voilà. Et après, je vais l'ancrer. Voilà. Voilà. Surtout du côté de. Je fais pas forcément le bas et le haut, mais surtout le côté de là où les briques sont censées être cassées. Voilà. Je vais le faire. Voilà. Pour avoir un meilleur rendu. Enfin, moi, je trouve. Après, ce que je suis en train de faire là, vous êtes vraiment, mais vraiment pas obligé de le faire. C'est vraiment accessoire. Vous voyez? J'aurais pu aussi le déchirer à la main. J'aurais pu. Mais voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma vintage photo. Et donc, je vais ancrer tous les bords en dépassant même un petit peu plus. Je vais vous montrer. Et après, je vais mettre aussi une autre encre que j'ai oublié de vous dire. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Voilà, moi, je vous montre comme ça. Ça fait un petit peu vieilli. Et je passe un petit peu comme ça, vite fait, sur les carreaux aussi. Sur les briques en réalité. Et je vais aussi mettre un petit peu d'orange. Là, j'ai la orange. Je vous laisse lire le nom. Voilà. Et je vais aussi mettre un petit peu de celle-là. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas cette encre, vous pouvez mettre une autre encre. Vous pouvez mettre. Vous voyez ce que vous avez. Il faut le faire avec vraiment ce que vous avez. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai fait même un peu plus orange que la première que j'ai faite tout à l'heure. Mais bon. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça fait vraiment un petit effet mur. Ben, après, c'est normal, ça va se mur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais coller le Happy Birthday ici. D'accord? Donc sur le mur en brique. Ouais, sur le mur en brique en dépassant un petit peu. Hop. Je vais le laisser dépasser un petit peu. C'est pas grave, je finirai après. Alors, un autre petit souci que je rencontre là pour la vidéo, c'est que je suis à court de. Je suis à court de. Comment on dit? De colle. Du coup, j'ai mélangé plusieurs colles dans mon petit bâtonnet là, dans mon petit bidon là, et ben c'est pas top en fait.
Donc, ne pas faire, ne pas mélanger les trucs. Parce que, d'une, elle est trop liquide. De deux, d'habitude, elle colle hyper vite. Là, elle colle assez mal. Donc, voilà. Donc, à ne pas faire. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ça donne comme ça. J'ai fait exprès de le faire dépasser parce qu'après, il fallait sur le muret là. Je vais prendre mon image que j'ai dit là et je vais aussi la vieillir un petit peu aussi. Donc, je prends encore ma vintage photo et je donne un coup aléatoirement histoire de la vieillir un petit peu. Alors, je veux la vieillir, mais je veux pas qu'elle devienne. Je veux quand même qu'il y ait des petites touches de blanc. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, elle est un petit peu. Mais il y a quand même des touches de blanc. Par contre, le bord là, je voudrais qu'il soit vraiment bien noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre à alcool noir de chez Action. Donc, c'est le 120 Black. Je prends la grosse mine. Voilà, la grosse mine comme ça. Et je vais donner un petit coup tout autour. Puisque j'avais un cadre qui était noir. Mais même en mettant de la vintage photo, en fait, il y a toujours un petit bord blanc qui sort quand même. Enfin, blanc du coup marron. Et moi, je voulais vraiment que ça soit noir. Donc, je redonne un petit coup bien correctement. Histoire que ça soit bien noir. Voilà. Donc, je range ça. Et donc maintenant, on va se servir donc de la cordelette que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? On va commencer par un côté où là, je vais mettre du scotch. Voilà. Donc je vais mettre du scotch n'importe où je veux, histoire de tenir ma corde. Et donc je vais faire venir ma corde un petit peu aléatoirement aussi, c'est pareil. D'une manière ou de l'autre. Voilà. Et comme ça. Vous voyez? Alors, j'arrête là. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'aime bien ce petit effet de corde là. Et je vais remettre un bout de scotch après derrière. Donc, sur la pointe que je viens de mettre. Voilà. Et je scotche aussi les autres cordes, les autres ficelles en fait, pour que ça ne bouge plus. Voilà. Parce que bon, des fois, même si on le colle, il se peut que ça bouge. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez? Donc, ensuite, je viens mettre mon mur. Alors, hop. Donc je viens mettre mon mur. Alors je. Est-ce que je le fais? Ouais, je vais le faire, tenez. Tout à l'heure, je l'ai collé simplement. Là, je vais mettre de la cartonnette. Histoire de le surélever un petit peu. Donc je vais prendre un petit bout de carton de recyclage. Hein, et je vais couper un petit bout. Voilà. Ouais, c'est du tout bête. Je pourrais mettre je pourrais mettre du scotch double face 3D hein, de chez Action. Mais j'ai pris cette manie-là un peu de mettre du cartonnage et le rendu est pas mal aussi. Donc, je mets ma colle. Alors, le problème, c'est que normalement, c'est censé coller de suite, mais avec ma colle, ça va pas coller de suite. Ça va être un petit peu embêtant. Mais bon. C'était pas ce côté, je crois que c'était ce côté. Donc là, voilà, on met notre carton. Pas besoin qu'il fasse le carton toute la mesure, ça sert à rien. Voilà. Donc, on appuie bien. Voilà, et là on remet encore, donc cette fois-ci sur notre carton, juste sur le carton qu'on vient de mettre. Voilà, alors j'espère que ça va tenir parce que, comme je vous ai dit, voilà. Et donc,
On va mettre on va centrer notre sur notre carte, notre mur sur la carte en fait tout simplement. Donc voilà, normalement c'est censé être collé assez instantanément, mais bon là ben moi c'est pas le cas pour le coup. Voilà, et après on peut glisser simplement la carte comme ça dedans. Vous voyez, je vais vous montrer. Alors ça tient pas parce que c'est pas encore tout à fait collé. On peut juste coller simplement la carte, ou alors ben, si vous voulez assurer quand même, vous mettez quand même de la colle. Voilà. Et vous repassez derrière les cordages, un peu comme bon vous semble. Voilà, là je vais la mettre un petit peu de travers. L'essentiel c'est qu'on voit encore le Happy Birthday et qu'on voit quand même le message. Donc voilà pour notre première carte. J'ai pas fini hein, parce que j'aime bien moi. Alors je vous dis, hop, il va falloir la laisser poser un petit peu. Voilà, avec cette colle qui tient pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma petite paire de diamond painting. Alors moi, ma mère faisait du diamond painting, moi j'en fais aussi, mais elle a arrêté. Donc elle m'avait laissé tout plein de perles qui restaient en fait. Moi j'ai tout mis dans une boîte, parce que c'est celle que je vais pas me servir sur les miens. J'ai tout mis dans une boîte comme ça en plastique et tout mélangé, parce que du coup voilà, c'est mélangé. Et je m'en sers un peu comme des demi-perles en fait, tout simplement. Mais des fois c'est plus fin et c'est plus... plus joli en fait, enfin, ça dépend. Des fois je mets des demi-perles, des fois je mets ça. Donc là j'ai envie de mettre ça. Et donc je vais prendre mon pistolet, mon petit stylo qui est déjà plein de. Et je vais chercher ce qui me correspond. Donc là j'ai des perles noires. Je pense que je vais mettre des perles noires. Donc je vais en mettre une ici. Donc je mets un petit peu point de colle ici. Je l'attrape. Et je la mets là. Bien sûr, vous vous rendez compte que ma colle est tellement mauvaise du coup que... Voilà. Alors là, j'ai mis des petites, des toutes petites paires, toutes petites comme ça, du coup, noires. Voilà. Je vais en mettre une par ici. Voilà. Et une par là. Et une par là. Allez. Hop. Donc je vais mettre celle-là là. Et je vais en prendre une autre. Hop. Ici. Voilà, donc je vais prendre le surplus de chiffon. Et voilà. Donc notre petite carte est terminée. Alors, je vais vous la montrer, en tout cas celle-ci. Je remets ça là-haut. Voilà pour notre petite carte homme. Voilà, alors je vous dis, elle est terminée, elle n'est pas tout à fait terminée parce qu'il faut, comme c'est un papier, mais bon, ça je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai sur celle de la fin. Je remets un papier là, moi là, je vous montrerai celle de la fin pour pouvoir écrire un mot parce que sur le noir, bon ben voilà, c'est pas forcément évident que les gens y puissent écrire dessus. Pas tout le monde a un stylo blanc pour écrire dessus. Donc voilà pour la carte qui est donc en relief. Pour la carte homme, donc maintenant on va passer à la carte femme. Donc là, je crois que je n'en ai plus besoin. Ça, je crois que j'en ai plus besoin. Hop. Donc voilà. Alors la carte femme est un peu plus rapide à faire. Je vais vous la montrer. Donc, on prend la blanche. On prend le papier blanc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais piocher dans mon truc et je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà. Après,
Vraiment, c'est au choix. Donc là, j'avais mis un carré au crayon. Je sais pas si vous allez le voir. Parce que dans le classeur de gaufrage, là, il y avait un vide pour pouvoir y mettre un truc d'ailleurs. Donc du coup, je vais gommer. Voilà. Histoire qu'on ne voie pas le coup de crayon, ça sert à rien. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, je vais arrondir les angles. Alors, je suis pas obligée, hein, je peux le laisser comme ça. Mais je vais arrondir les angles quand même. Voilà. Donc, ce que je vais faire, alors j'hésite, est-ce que je le laisse? Ouais, je vais le laisser comme ça, je crois. Ouais, je vais le laisser comme ça. Parce que j'hésitais à mettre un autre papier derrière, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Donc, je prends. Alors, celle-là est beaucoup plus simple hein, à faire, vous allez voir. Voilà, donc je mets bien de la colle. Je centre. D'ailleurs, c'est des cartes qui sont assez simples à faire en fait et le rendu il est pas mal. Donc là, moi, le fond de carte, du coup, je l'avais préparé. Enfin, je l'avais fait il y a quelques temps déjà. Et donc, du coup, je prends ma petite fleur, je vais la mettre ici. Enfin, ma petite fleur, ma couronne en fait. Et donc, hop. Donc, je mets bien tout autour. De là. Oh, ma colle est hyper liquide, franchement, je me languis qu'elle s'en rouvre pour de bon. Chez nous, il n'est pas encore ouvert. Je rachète de la colle parce que là ça va pas le faire. Donc ben, vous le collez un petit peu comme vous voulez en fait, tout simplement. Alors comme je vous ai dit hein, c'est du carton donc il faut bien appuyer. Ça a bougé. Normalement, ça colle bien plus facilement, mais je vous dis, moi, ma colle. Après, après c'est collé, hein, il n'y a pas de souci, mais par contre, voilà, elle est liquide et elle est un peu longue à coller, du coup. Voilà. Ensuite, donc là, je prends mon petit papillon, je vais coller que le milieu du papillon. Donc, je mets un petit peu de colle ici. Voilà. Et je vais le coller comme ça. Au milieu. Donc je vais prendre, voilà, on appuie bien, histoire de faire coller que le milieu de. On replie les ailes, on remonte les ailes un petit peu comme ça. Vous voyez? Hop. On remonte les ailes et je plie vraiment que le milieu. Ensuite, on va écrire le thank you. Donc si on le met les lettres juste comme ça, voilà, on ne va pas voir grand-chose. Vous voyez? Donc on ne voit pas grand-chose en fait. Enfin, je crois que vous ne voyez pas grand-chose du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit carré. Alors par contre, je ne sais pas. Est-ce que je mets du noir? Ouais, peut-être pas. Il faut que le 5 euros sorte quand même. Donc, je vais essayer de regarder dans mes chutes de papier. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Alors, j'hésitais entre celle-là qui est rayée, mais comme je m'en suis déjà servi sur la première, voilà, donc ça donnait ça. Alors, je sais pas, vous n'allez pas pouvoir me répondre, hein, bien évidemment. Ou celle-ci. Et je pense que je vais partir sur celle-ci. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon.
stylo à colle et je vais écrire mon mot tout simplement. Hop. Voilà mes petites lettres et puis après je ferai la découpe. Je ferai la découpe. Voilà. Voilà, je voulais rester un petit peu dans les couleurs un peu naturelles là pour le coup. Voilà. Après, je vous en montrerai une autre qui est un peu plus flashy. Hop. Parce que déjà que les rayures, voilà, enfin les bandelettes de papier là, elles sont nombreuses et de couleurs différentes. Donc, hein, pour rappel, là, les lettres sont faites avec le rouleau de papier toilette. Alors moi j'aime bien le laisser neutre, hein, comme je vous disais, la couleur comme ça, du papier, du carton, du cartonnage. Mais vous pouvez aussi les peindre, hein, pourquoi pas. Les peindre ou mettre un coup de feutre à alcool, les coloriser, vous pouvez, y a aucun souci. Voilà. Donc, nous voici. Alors après, je vais prendre mon ciseau. Voilà. Et je vais... Alors, moi, j'aime bien faire... Alors, pas sur ce côté, mais j'aime bien faire sur les deux côtés. Je parle toute seule, désolée. Donc, je coupe comme ça. D'accord? Je fais un petit... Voilà. Et sur donc les deux de chaque côté, les deux extrémités, j'aime bien mettre un petit coup de ciseau crampeur. Et voilà. Ça nous donne ceci. Et donc, je vais mettre un carton, un bout de carton derrière. Hop. Comme j'ai fait pour tout à l'heure. Voilà. Donc, hop, un petit bout de carton. Je recolle ici aussi. Et je viens le coller en décalage par ici. Voilà. Voilà. Le petit papillon qui est là, que je vous disais tout à l'heure qu'on allait se resservir. Ah bon. C'est pas collé encore, hein, mais bon, on va essayer. On va mettre à l'intérieur de la carte. Ça fait un petit rappel du devant. Et donc là, je vais mettre des petits strass dans le cœur du papillon, histoire de égayer un petit peu tout ça. Donc peut-être celle-ci. Là, je vais chercher les couleurs un petit peu du vert. Non.
Après, à vous de voir les couleurs que vous souhaitez, hein. Ouais, je vais rester dans des couleurs un petit peu. Un petit peu. Donc, je mets un point de colle ici, un point de colle au milieu et un point de colle à la queue. À la queue. Voilà. Je prends mon scalpel. Voilà. Et je prends les perles les plus petites sur la planche. Ouh, cette colle, elle me rend fatiguée. Et voilà. Donc, je les pose bien. En fait, ça colle plus sur mon doigt que sur la colle, en fait. Mais bon, une fois que c'est juste le temps de le mettre, hein, parce qu'une fois, après, une fois que c'est sec, ça tient. Mais voilà, quoi. Donc voilà, j'essaie de bien les mettre correctement. Voilà. Et voilà. Donc je mets pause, je range et je vous montre les cartes. Donc, me revoilà. Alors, voici les deux cartes qu'on a faites ensemble. Donc, celle-ci. Voilà. Hop. Et puis, quand on ouvre, on a le petit papillon à l'intérieur. Voilà. Avec donc du rouleau de papier toilette, avec des récupes. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai faite avec vous. Celle-ci, c'est celle que j'ai faite moi. Avant pour tester. Voilà, donc celle-ci est un peu plus flashy. Et là, le papillon, je l'ai aquarellé à l'intérieur. Voilà, avec j'ai aussi tracé un peu pour le rouge en fait, pour le côté un peu rouge. Voilà, ça reste un petit peu dans le thème. Donc il y a celle-ci et celle-ci qu'on a faites donc ensemble. Voilà. Ben moi je trouve sympa. Alors, certes elles sont colorées, mais je trouve sympa. C'est pour ça que j'ai pas voulu peindre le papier, le rouleau de papier toilette, je préférais le laisser couleur naturelle comme ça. Voilà. Et donc celle-ci, c'est celle que nous avons fait donc ensemble. Bon, j'ai encore pas mis le papier à l'intérieur, hein, je voulais vous montrer comme ça. Donc celle-là, elle est bien en relief parce que je l'ai bien relevée. Voilà, c'est celle qu'on a fait ensemble. Et celle-ci, c'est celle que j'ai faite donc juste avant. Par contre, j'ai collé juste le papier dessus, là, comme ça. Voilà, je ne l'ai pas mis donc en relief. Et donc dedans, voilà, c'est ce que je vous disais, je remets une petite, un petit papier craft. Et puis voilà, je fais quelques traits et des gribouillis. Voilà. Donc ça, je ferai pareil pour celle-ci. Et voici donc celle qu'on a faite ensemble, qui est celle-ci, en relief. Et celle que j'ai faite avant. Voilà donc pour ces quatre petites cartes, donc à l'aide de deux rouleaux de papier toilette. Donc voilà, je vous ferai une photo pour vous montrer, que je vous mettrai à la fin pour le rendu. Je sais pas si vous le verrez mieux ou pas. J'essaie de vous les mettre peut-être comme ça. Et vous les voyez, je suis pas sûre que vous les voyez mieux, mais bon. Voilà. Bon ben voilà, sur ce, je vais essayer de faire des coupures parce que je vois qu'on en est quand même à 53 minutes de vidéo, c'est pas possible. Donc je vais essayer de faire quelques coupures par moment et puis je vous publie ça dès que possible. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous et de vos proches, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!